La grande rue. Monsieur a pu repenser qu'il était deux dans la tombe. On se connaît à trois pattes, c'est pas normal. Mais que ça peut vous ouvrir. Il n'a jamais terminé. Il était terminé, comme Notre-Dame de Paris. Vous êtes vraiment dans les fondations de l'ancienne église. Oui. Ben, merci beaucoup, madame. Oui. Donc vous allez descendre jusqu'à quand elle était de quelle époque dans cette église? Alors cette église-là, elle est a priori 1720. 1720, voilà. Oui, on en a des pierres là-bas. Ouais. Oui, mais il y a possibilité qu'il y ait une église antérieure, voilà. Parce que les textes parlent d'une église au XIIe siècle. 12e siècle, voilà, oui. Voilà. Et donc ça, c'est notre travail, c'est de comprendre s'il y a effectivement une occupation avant le 18e, parce qu'on sait que Flers hein, grossit très, c'est un tout petit hameau, voilà. Ça, bon, ça montait par mille. On connaît aussi des petits hameaux qui avaient des grosses églises. Hein. Merci, madame. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'il y a la place Paulette Duval à Flers, place du marché. Et voilà la stèle de Paulette Duval, place du marché aussi à Flers. Exterminé dans les camps de concentration. C'est une grosse catastrophe, toutes ces guerres.